Joli boulot, ça, petit gars. Eh, tu te débrouilles pas trop mal, tu sais. Ah. Mais s'il te plaît, dis-moi qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. J'ai trouvé la tombe d'un sage Zepho. Ils utilisaient bien la force. Une civilisation d'utilisateurs de la force mystérieusement disparue. Je comprends pourquoi ils obsédaient tant Maître Cordova. Qu'as-tu trouvé d'autre? Avant de disparaître, les Zepho sont allés sur la planète Kashyyyk. Wow. Cordova a eu un ami Wookie, Tarful. Il faudrait qu'on le trouve. Kashyyyk? Écoute, c'est vraiment le bazar dans ce coin-là. Et l'Empire fait pas dans la dentelle avec les Wookie. C'est de l'acharnement. Alors il va falloir qu'on se batte. Je crois que cette vie te correspond. Affronter ce marcheur semble t'avoir donné confiance en toi. Alors, dis-moi, comment tu t'en sors? À propos de la force? Oui, de la force. Tu m'avais dit qu'elle pouvait te submerger. Je me suis pas encore fait tuer. Je préfère pas en parler. D'accord. Je comprends. Bien plus que tu le crois. Pourquoi avoir choisi de vous couper de la force? Quand la purge a commencé, et que nos clones s'en sont pris à nous, ma padawan et moi avons emmené plusieurs novices en lieu sûr. Mais ça n'a pas duré longtemps. Une patrouille impériale s'approchait de notre cachette, alors j'ai essayé de les éloigner de ma padawan, Trilla. Elle est restée avec les novices. Mais ils m'ont prise. Et ils m'ont torturée. Ils voulaient savoir où étaient les autres et combien ils étaient. Mais ils voulaient surtout en savoir plus sur Cordova. Et où il était. Vous vous êtes échappé. Oui. Il y a eu une émeute. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. Mais ils m'ont presque brisée. Et je n'ai plus jamais été la même, Cal. La Padawan. Elle est toujours vivante? Non. Voilà pourquoi nous devons continuer. Il ne faut pas que ceux à qui l'on tenait soient morts pour rien. Hey, Grise, c'est quoi ce truc? Quoi? T'avais jamais vu un terrarium avant? Si, mais on n'est pas censé y mettre des plantes. Eh, hey, dis donc, j'ai été plutôt occupé à te trimballer dans toute la galaxie. Tu pourrais peut-être me remercier en me trouvant des graines. Tu détestes pas la nature? Je la déteste à l'extérieur. Mais derrière une plaque de verre d'Ombara bien épaisse, y a rien de plus bon. D'accord, je vais voir ce que je peux trouver. Tu veux, sauf sur Datomir. Je hais cet endroit. Toute cette aventure a sérieusement amoché le Mantis. Parce qu'il était comme neuf, peut-être? C'était une vraie merveille, mais maintenant, oh, faudra pas t'étonner de recevoir une facture. Quelqu'un a des problèmes d'argent? Je veux dire, ouais, ok. J'avoue qu'il y a un peu de ça, mais j'ai l'habitude. Et toi, t'étais riche avant? La fortune n'est pas la priorité des Jedi. Ouais, j'étais pauvre aussi, mais c'était pas si terrible. Avec mon ancien équipage, on arrivait à s'en sortir. C'est là que j'ai appris à jouer au sabacc. Un jeu qui demande des crédits. C'est un drôle de choix. Ah, on était jeunes. On misait des trucs stupides, de la nourriture ou des cailloux rigolos. Malheureusement, ça a mal tourné quand on a vieilli. Les cailloux rigolos, c'était plus vraiment suffisant. C'est dommage. La galaxie s'en porterait mieux.
Viens par ici, petit gars. On va pas tarder à se poser. Oh, on va quand même pas forcer ce blocus. Oh non, pas si nous avons le choix. J'ai fait en sorte que le transpondeur du Mantis émette un signal impérial. Hé, Gris, ouais. Dissimule notre signature et fais comme si de rien n'était. Ah, comme sur Braca, les doigts dans le nez. J'ai pas besoin d'une autre paire de mains. Contente-toi plutôt de surveiller les scanners. D'accord, ok. Très bien. Je vois rien du tout. Il se focalise sur ce qui se passe au sol. C'est bon. Pas rassurant. L'Empire dépouille Kashyyyk de ses ressources naturelles. Les Wookiees sont asservis. Ou alors déportés. T'es passé à un cheveu, petit gars. Je croyais que t'étais censé surveiller les écrans. Une mutinerie. Des Wookiees et leurs alliés s'en prennent à un convoi impérial. Des marcheurs approchent de leur position. Darfoul est peut-être avec eux. Darfoul peut être n'importe où. Si ça se trouve, il est déjà mort. Et c'est aussi ce qui va nous arriver si jamais on est pris dans la bataille. On n'a aucune autre solution. Et ils vont mourir si on les aide pas. Alors, c'est quoi ton plan? Le sabotage. On s'occupait des marcheurs sur Braca. Je vais en pirater un. Ah, écoutez-moi celui-là. Il se croit revenu en pleine guerre des clones. Capitaine, approchez-nous de ces marcheurs. Attendez quoi? Écoute, ces marcheurs peuvent transporter des troupes, alors une fois dedans, sois très prudent. Il est temps pour la matière grise de faire des miracles. Hé, hey, et fais-moi plaisir. Essaie de rester en vie, c'est d'accord? Je vais tout faire pour ça. Tu veux sauter, c'est maintenant ou jamais, petit gars. On se jette à l'eau, BD? Y aller. C'est pas passé loin. On doit pouvoir monter. Ok. Et maintenant? Allez, finissons-en. J'imagine qu'on continue. Grimpons tout en haut.
À ton tour de le signaler. C'est le Jedi! Jedi en approche! Oh non! On te suit! Allez, à vous de l'éliminer! Débarrassons-nous de lui! Liquidez-le! Au secours! Pitié! Aidez-moi!